Bon, on est parti pour faire les lardons. Donc, fraisage à 17-17, parce que là, c'est du 20-20. Et ensuite, eh ben, on fera les deux épaulements. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. En route. On va essayer d'en descendre 2 mm d'un coup. Fraise ravageuse. On verra ce que ça donne. Voilà, faire l'autre face. Il va vurer.
ensuite les deux épaulements. Donc là, on va remonter les cales plus petites, enfin plus hautes, je veux dire. Bon, alors, mesurer comme il faut. Trois millimètres sur 5. Descendre de 7. Je serais peut-être pas trop mal. On va y aller comme ça.
3 mm. Voilà. Bon, je fais l'autre côté de la pièce et je vous reprends après. Donc là, j'ai fait les deux côtés. Maintenant, j'ai retourné la pièce et je vais percer, hein, pour en faire deux, en fait, deux grands. Donc là, j'ai commencé à pointer. Là, oh, j'essaie ça, j'ai beaucoup de choses. Ça, voilà. Donc normalement, c'est bon. Ça va tomber depuis le poil au milieu. Allons-y. Perçage, taraudage. Taraudage maintenant. On va faire trou par trou, hein, pour être sûr de soit bien aligné. Alors je m'y retrouve. Hein. J'ai fait de mon truc là.
M8. Voilà. Alors j'ai mis le lardon dans l'autre sens, en sens inverse, et pour éviter de mettre deux cales. Et avec les deux cales, il n'y a pas assez d'épaisseur, enfin il n'y aura plus assez de place pour passer le forêt. Hein, parce que les cales font à peu près 4 ou 5 mm, 4 mm, 4 et 4, 8, donc on risque d'être limite. Hein. Donc en faisant comme ça, pas de problème. Un peu plus là. Voilà, bon, bah, je fais les trois autres et puis je vous reprends après. Hein. Allez, à plus. Bon, là j'ai fait les deux premiers trous. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le trou par rapport à un repère que j'ai fait au préalable. J'ai quand même mesuré et puis faire quand même un repère quand même visuel. Hein. Au vernier, j'ai mesuré pour avoir une certaine distance pour avoir le deuxième. Parce que les deux vont rester. En fait, ça va être deux gros lardons, en fait. Hein, double. Et je vais en faire deux comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma butée sur le côté là. Je me sers beaucoup de la butée, en fait. Parce que la butée, ben, souvent, ben, quand c'est symétrique, on peut retourner la pièce et on refait la même chose de l'autre côté sans mesurer. Comme ça, là, celui-ci là, ben, je vais leur faire le même là, à cet endroit-là. Et ensuite, le vernier qui se trouve là, eh ben, je vais me remettre à zéro. Et là, je vais retomber sur le premier trou. Voilà, ici. Et après, j'ai plus qu'à scier et puis c'est bon. Donc voilà. Allez, je perce et je vous reprends après. Vidéo. Donc voilà les deux donc lardons doubles, hein, terminés. Donc je l'ai teinté en noir, hein, pour l'instant j'ai juste teinté le bas pour pouvoir faire le marquage. Comme ça, ben, le mort fixe, ça c'est le mort fixe. Donc il n'y a plus qu'à le mettre en place. Voilà, c'est facile à enlever, facile à remettre. On serre progressivement. Voilà, c'est pas les vis que je vais mettre, hein. Là c'est les... je vais mettre des BTR, mais j'ai que ça pour l'instant, je les ai commandés les autres. Voilà, impec. Donc je vais faire le même pour le mort mobile, et puis le mort qui va se déplacer, là j'ai dit que j'en mettrais des ronds, justement pour pouvoir le glisser dedans, comme ça ils vont rester dessus. Voilà. Ceux-là je vais les laisser dessus. Ça je desserre. Je laisse dessus, comme ça je me casse pas la tête. Tac. Voilà. Allez, à plus. Bonne journée. Au revoir.